Dieu a créé le premier homme noir. Vous voyez cela dans Genèse 2, 7. Dans la traduction Abbé Fillion, il est dit, le Seigneur Dieu forma l'homme du limon de la terre. Et on sait que le limon, il est noir. Vous voyez cela même dans l'Égypte antique, par rapport au Nil. Quand il pleuvait, quand il y avait la mare d'eau, il y avait la boue qui s'accumulait, qui montait là, c'était ça, le limon. Et c'était noir. C'est pour ça que dans Genèse 2, 6, on dit quoi? Une vapeur s'éleva de la terre et ça arrosa toute la surface du sol. C'est-à-dire c'était l'eau qui a arrosé la surface du sol pour rendre ça boueuse. Vous voyez? Et c'était noir. C'est pour ça que dans le verset 7, on dit, il a pris à partir de cet argile-là, c'est-à-dire de ce limon-là et non de la poussière, de ce limon-là, il a formé l'homme. Donc, la véritable histoire de l'humanité, en tout cas, même du côté spirituel, c'est quoi? Dieu, que cela vous choque ou pas, dans sa préscience, a créé l'homme noir sur la terre. Pour que l'homme noir domine sur la terre, soit le maître absolu sur la terre. C'était ça, il n'y avait qu'une seule race. Parce que la spiritualité est une question de race. Donc l'homme noir seul devait habiter sur la terre. On parle de ça dans Job. À eux seuls, la terre leur fut donnée. Et nul étranger n'était encore venu. Donc Dieu a créé le premier homme noir. Il a dit à cet homme-là d'aller se multiplier avec la femme aussi qu'il a manifestée, la femme noire, Ève, Mouto. Il a manifesté cette femme-là, il a dit, allez multipliez-vous, remplissez la terre. Mais une seule race. Donc, quand il dit remplissez-vous, remplissez la terre, c'était dans la pensée spirituelle. La terre devait être peuplée uniquement que des noirs. Les autres races ne devaient pas arriver sur la terre dans cette création-ci. Je sais que cet enseignement peut vous troubler, mais c'est ainsi. C'est la vérité authentique. Dans Genèse, beaucoup de personnes ont lu le livre de la Genèse, dans Genèse chapitre 6, sans réellement savoir exactement ce qu'il y en a ici. Dans Genèse chapitre 6, au verset 1, il est dit, « Lorsque les hommes, c'est-à-dire les noirs, dans d'autres versions qui étaient mal trafiquées par rapport à ce passage, ils disent, lorsque les humains, ça c'est faux. Les humains n'existaient pas encore là, c'était les hommes qui existaient. Et je dis encore la définition d'humain, si on dit que ce sont des hommes, dans le dictionnaire, dans Google, Wikipédia, Yahoo, ça c'est faux. On sait qui c'est qui a écrit cela. Les humains, ce sont les humains, les hommes sont des hommes. Les hommes, ce sont les bateaux. Bateaux, le pluriel de... des hommes, c'est bateau, le singulier, c'est moto. Moto qui est le premier homme qu'on a créé. Donc, dans Genèse chapitre 6, au verset 1, dans les bonnes traductions, c'est dit, lorsque les hommes, c'est-à-dire les noirs, eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, ça, c'est dans la Bible des peuples. Les hommes commençaient à devenir nombreux sur la face, sur la surface de la terre, et des filles leur furent nées. Ici, en ce moment, il n'y avait aucun blanc sur terre. Il n'y avait aucun albinos, aucun sang mêlé, c'est-à-dire aucun métis. Bref, il n'y avait aucun non-noir. Tout ce qui était là, c'était uniquement des noirs. Il n'y avait pas d'autres races. C'était les hommes qui étaient là. Il n'y avait pas encore ce que vous appelez les humains. Donc, Genèse chapitre 6 au verset 2, il est dit dans la Bible parole de vie, les habitants du ciel voient que ces filles sont belles et ils choisirent leur femme parmi elles. Point. Donc vous dites ici qu'à une période très reculée dans l'Afrique ancestrale, il y avait beaucoup d'hommes qui se multipliaient en ce moment. En gros, ils avaient des femmes, ils se reproduisaient et la terre se remplissait au fur et à mesure. Et à un moment, on vous dit que les habitants du ciel, pas tous les habitants du ciel, mais un groupe. Comment se fait-il que les anges, ici dans Genèse chapitre 6 au verset 2, vont être attirés par la chair? Comprenez ici là que ici, ces anges ont été attirés par la chair. Quand on dit les habitants du ciel ont vu que ces femmes-là étaient belles et ils choisissent leurs femmes parmi elles, ce n'étaient plus des anges qui étaient au service du Créateur. C'était des anges déchus ici, là. On va vous expliquer cela. C'était des anges déchus ici. Dans Bible en français courant, il est dit, les habitants du ciel
ont constaté que ces filles étaient bien jolies, vigoureuses, et ils ont choisi pour leurs épouses. Point. Pour les épouses. Point. Pour les épouser. Point. Ici, ces anges-là, c'était des anges déchus. Dans un groupe d'anges, sont descendus. Quand ils ont chuté, Satan a chuté, le chérubin jadis soin avec ses nam mouloloma, c'est-à-dire avec ses ba mouloloma, mungulane, bangulane, c'est-à-dire ce sont les anges déchus. La traduction Fab Olivette, il est dit, oh, virgule, les êtres émanés d'Elohim. Lui, les dieux influences spirituelles, ayant considéré ces formes sensibles, les trouvait agréables et s'unit comme à des facultés génératrices à toutes celles que le plus de préférence. Point. Dans Genèse chapitre 6, au verset 4, Bible en français courant, il dit, c'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Il en resta même plus tard, ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité. Au nom célèbre, ainsi de suite, ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles des âmes. Avec les filles des âmes. Donc ici, dans d'autres versions, on va dire, dans Genèse chapitre 6, au verset 4, quand les anges déchus ont couché avec les femmes noires non initiées de la lignée de Caïn, c'est-à-dire Pongisset, ils ont donné naissance à une nouvelle race. C'est-à-dire c'était des humains maintenant. Et ces humains-là, on les appelle des Néphilim. C'était des disgraciés, vous voyez. Parce que humain, ce n'est pas des hommes. Je le répète, les définitions. Quand on donne la définition sur la Rousse, sur Yahoo, Wikipédia, que les humains, ça veut dire des hommes, c'est aussi des hommes. C'est faux. Ça, c'est une mauvaise traduction. C'est les gens qui sont venus, ils savent pourquoi ils sont venus dire que c'est une définition. Vous allez taper synonyme, on va vous dire que ce sont aussi des hommes. C'est faux. Les hommes, ce sont des noirs. Et les autres races, ce sont des humains. Voilà. Ici, quand les... En fait, ces géants-là, c'était quoi exactement? Les enfants des anges, c'était les Néphilim. Les Néphilim. Vous tapez définition de Néphilim. D'autres vont vous dire, ça veut dire tomber. Tomber ou géant. Ou l'union des anges et des filles des âmes. C'est ça, la progéniture, on les appelle les Néphilim, ou les blancs, ou les albinos, ou les disgraciés, ainsi de suite. Là, c'était une nouvelle race qui est apparue sur terre.